Ouais, ça s'arrange un peu. Kilomètre 20,4. Au moment, c'est roulant. En tout cas, c'est joli et je connaissais pas. Là-bas, ça roule quasiment en haut, toujours sur le chemin. Magnifique ce chemin par le portage. Toujours les temps de berre là derrière. Sauf que cette fois, j'ai changé de colline. Tout à l'heure, j'étais sur celle d'en face. Maintenant, je suis sur celle-là et je vais passer derrière. Allez, on va tester ce chemin, ce qu'il dit. Je sais pas du tout où il va. Je vais mettre la carte là, tiens. Je vais voir si je l'ai. Oui, je l'ai sur mon GPS. Ça alors, je l'avais jamais vu. Regardez. Par contre, s'il redescend tout de suite, ça va pas m'arranger. Hein. C'est plutôt à gauche que je veux aller. Par là, je vais tenter là. Ah, là il est plus tracé. C'est le départ à gauche qui était tracé. Peu hard. Quelques traces de vélo. Deux motos. Ouais, surtout de motos. Kilomètre 22,5. Retour exactement là où je voulais aller. Tout en haut de la colline qui surplombe le barrage commune de Saint-Mitre. Étang de Berre toujours. Sauf que cette fois je vois les Alpilles par exemple là-bas au fond. C'était Miramas la ville là-bas. Bon, le soleil qui doit gêner. Une descente par là, mais bon, c'est rien de spécial sur cette descente. Ça c'est une impasse, à 50 mètres le chemin s'arrête. C'est le bout de la colline. Et là, barrage en dessous. Là. Et Istres de l'autre côté là-bas. C'est toujours l'étang de Berre. Hein. Fosse sur mer là-bas où il y a les fumées. En fait, c'est ArcelorMittal. La fumée est de droite. Et là, il y a une jolie descente. Elle n'est pas longue, elle fait 100 mètres à tout casser. Mais je l'aime bien. Pour celle-là, je rentre à la selle. Les marches sont très hautes. Il y a un virage pas commode là, juste après. Ça j'aime pas du tout les petits boulets. Je peux passer en dessous. C'est là le virage. Pas loupé. Ah, vous avez vu, elle était pas longue. Alors là, je remonte sur la colline d'où je viens. Je redescends au col où j'étais tout à l'heure. Je remonte la première colline qui est en dessus de Figrolles et je rentre. Ça fait trois montées encore. La descente à droite là sur le barrage elle est terrible aussi. Avant elle était dure et le problème c'est que depuis l'année dernière elle est quasiment impossible. Hein.
l'eau elle a tellement raviné à des endroits, ça passe pas.